Bonjour, on fait les choses complètement différemment aujourd'hui. Donc, au lieu de partir de la maison, faire une boucle et revenir, on a décidé de se préparer et de prendre un Uber et de s'en aller à 27 km de la maison, puis on va s'en venir directement par la suite. Donc, le trajet aujourd'hui, c'est autour de 26-27. On va partir du lac Morin, dans le coin du lac Beauport. On va partir de là, longer le lac Beauport. Et s'en venir à la maison. Alors, on se prépare et on se revoit un petit peu plus tard. Voilà rendu au lac Morin. Ça a été une randonnée avec notre chauffeur Hubert qui venait du Cameroun. C'était vraiment super agréable d'échanger avec lui, de jaser avec lui sur la route pour s'en venir ici. Un gars super joyeux, super sympathique. Alors nous, on est au lac Morin, comme je vous disais, et on part à l'instant pour un retour vers la maison. Et j'aime bien inclure ce genre d'entraînement-là dans le plan, dans le parcours, parce que c'est juste une autre façon de préparer notre journée, notre entraînement. On doit partir avec un peu plus de choses. On doit penser à comment ça va fonctionner dans un mode qui est plus autonome. Donc, c'est pas des boucles que je fais autour de la maison où je peux m'arrêter par moment. Récupérer de l'eau, du Gatorade, quelque chose à manger. Cette fois-ci, on est vraiment à 27 km de la maison et on va partir en mode autonome jusque là-bas. Évidemment, on est à Québec, c'est pas la fin du monde. S'il arrive quoi que ce soit, on peut toujours appeler un Uber. On a nos cartes de crédit, on a de l'argent. On n'est pas dans le trouble. Mais c'est une autre façon de se préparer mentalement à des sorties qui vont s'allonger au fil des semaines et au fil des mois. Alors, suivez-nous, on est parti à l'instant. À tantôt! Plus que 13 km de fait, ça va bien. Des petites douleurs ici et là, autant pour José que pour moi, rien de majeur. Des choses qui sont tout à fait normales, que vous avez fort probablement expérimenté. Une petite douleur qui arrive et puis qui par la suite va quitter. C'est un peu le lot de la course à pied. On est en train de tester des modes d'alimentation. On est parti ce matin avec des biscuits aux figues et des jujubes. Tantôt, José me disait, moi, juste,
essayer de manger des jujubes pendant que je cours, pendant que ça me colle dans les dents, c'est pas idéal. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans nos sorties, on aime bien, José et moi, tester différentes choses. Il y a des affaires qu'on sait qui ne fonctionnent pas, fait que, on s'arrête là. Il y a d'autres affaires qu'on réalise que si on est en vélo, c'est adéquat. Mais quand on est en jogging, mais ça l'est moins, c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est garder un pas rapide pendant qu'on s'alimente. L'hydratation, ça va bien de ce côté-là. Mais vous autres, c'est quoi vos trucs quand vous sortez pour vos longues sorties? Donc, vos longues, longues randonnées de la semaine. C'est quoi vos trucs pour l'alimentation? Comment vous vous alimentez? Qu'est-ce que vous apportez? Votre hydratation, pourquoi pas partager ça avec nous? Partager ça avec, avec les abonnés de la chaîne YouTube. Donc, nous autres, on continue. Presque 13 km et demi de fait. La moitié, on arrive à la moitié. Et puis, on s'en va un peu plus tard. Super sorti, de retour à la maison. C'est l'heure du biscuit pour moi. J'aime ça après les longues sorties. Manger quelque chose qui me fait du bien. Donc un bon biscuit fait maison, autant protéiné que rempli de carbs, de glucides. Et puis on va amorcer là, la réhydratation, l'alimentation pour être sûr de récupérer. Pour la prochaine sortie demain. Alors, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Et comme à chaque fois, je vous invite à aller courageusement demain.